Ou remè Bouboul, ou remè tant de belles analyses, eh bien, abonnez avec Chanel Bladi Infosport. Ça qui belle dans Chanel YouTube Bladi Infosport, gagnez commentaires, analyse avant match, décortiquez match football pour pas de l'autre côté que Bladi Infosport. C'est cette vidéo qui me lit pire, qui dit ou ça. Abonnez avec Chanel YouTube Bladi Infosport. Partagez vidéo nous pour plus de monde capable de toucher par Chanel YouTube Bladi Infosport. Xavier Hernandez, avant match 8e de finale coupe, t'es dans la conférence de presse. Et dans le moment où on a parlé là, bagaille compliqué pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone gagne 8 points de retard par rapport avec leader dans le championnat qui c'est Girona. Barcelone va jouer 8e de finale Ligue des Champions contre l'équipe Napoli avec un pile doute. Barcelone nan 8e de finale coupe. Ça veut dire c'est quand même une équipe qui est capable de faire un triplé historique malgré tout problème yo parce que tout autant vivant on peut penser ou capable de mettre chapeau. Eh bien, Xavi parlé sur ça, monsieur dit année 1 objectif là c'est remporter titre qui est important yo. Coupe d'Espagne là, Liga ou bien Ligue des Champions, il dit ou la Champions League. Donc là le haut du Liga ou c'est une ou bien l'autre. Mais il dit que objectif saison 1 c'est gagner compétition important yo. Je dis si objectif là pas atteindre saison ça m'a premier monde a dit que nous pas atteint l'objectif là et m'a bail vague m'a quitté équipe FC Barcelone. Je dis moi c'est un coulé dans l'âme. Je pas jamais voulu mettre équipe là dans une situation compliquée. Si résultat yo pas ka vini, objectif pas atteint, nous pas gagner compétition, eh bien m'a quitté équipe FC Barcelone. Et hier la presse espagnole te fait mention que si l'équipe FC Barcelone a révoqué Xavi Hernandez, Xavi n'a pas demandé un goud parce que li connaît comme Barcelonais, faut li supporter Barcelone peu importe situation. Pour les nous, ouais, c'est une personnalité qui commençait pile vine sous terre. Donc là, li connaît gen pile sentiment nan kapal lan parce que Pablo Xavi c'est une personnalité légendaire en dans équipe FC Barcelone comme joueur football. Et si on a pris bagage strictement résultat accomplissement impact, Xavi c'est top 3 top 5 plus beau joueur Barcelone de tous les temps. Ça veut dire sous garde ça joueur là lui-même il a accompli, on a parlé de Xavi. C'est top 3, top 5 plus beau joueur Barcelone de tous les temps. On a parlé de Xavi Hernandez. Et pas oublier Xavi vini dans Barcelone dans un contexte qui était difficile. Barcelone révoqué Ronald Koeman qui pas capable de faire résultat. Et pas oublier tout, moun qui président de l'FC Barcelone qui c'est Laporta, Xavi pas mené campagne pour lui. Même le Xavi, c'est pas une personnalité qui était sorti tête lui. Directement pour c'est à Victor Font, ça veut dire sur les réseaux sociaux, la parle de Victor Font. Pas de ça dans Xavi, hein? Mais la presse espagnole te fait connaître que Xavi c'était dans Victor Font. Et Victor Font lui-même, pas de jamais démenti bagay ça, elle te fait connaître depuis le président équipe FC Barcelone, mettre projet c'est Xavi. Mais le fait que la porte a lui-même le président Messi vient quitter l'équipe FC Barcelone dans le contexte là, et ça pour mieux comprendre, la porte c'est un intelligent. C'est pas en Haïti, côté que tout le bagage nous fait de manière spontanée. Pays ça yo, structure ça yo, yo fait bagage de manière calculée ou même. Yo contrôle les bagages yo. La porte a t'es connu situation précaire Barcelone, pas capable de permettre que Messi lui-même l'irrite dans le club là. Intelligent que lié, les mener campagne, sous Messi, Messi a voté comme socios, le Messi lui-même là pour retourner pour venir signer un contrat, eh bien, il dit Messi, il n'y a pas de capacité en l'équipe FC Barcelone. Eh bien, ou pas vraiment monté tes grands, comme ça, ils sont légendes lui-même,
monsieur fait en sorte que li calme moun yo avec Xavi comme yo les jeunes en de club blanc. Xavi roule ses balles dans première saison, demi-saison, les roule ses balles. Saison après, Xavi champion. C'était quand même un gros champion pour l'équipe FC Barcelone là. Le comparé Barcelone, cap champion à 4 journées de la fin. C'est un gros champion. Quand il est là, saison 2023-2024, l'équipe fait acquisition. Il n'est pas capable de gagner un résultat. Bon, même dans la saison 2022-2023, l'équipe est champion, mais c'est une équipe qui a commencé à baisser. Quand il est là, le résultat est fini. Gagne une remise en question qui pas valable pour tes fêtes parce que d'abord premier élément pour parler de entraîneur c'est résultat et ou pas capable de cracher sous saison 2022-2023 avait même l'éliminé en premier tour Ligue des Champions parce que Barcelone pas de champion Liga depuis 2019 Liga Barcelone Liga et pour année 2023 Barcelone a remporté quand même deux trophées Supercoupe d'Espagne et championnat. Maintenant, si nous prenons saison 2023-2024 là, résultat yo pas vini. Ça c'est premier bagay. Pas gagné contenu, ça veut dire équipe là fragile et Barcelone gagne deux problèmes majeurs. Barcelone pas ka mettre boule en de filet et Barcelone pas solide le lagain ballon. Et là, il y a deux problèmes majeurs, ça y est, ça compliqué pour remonter par là. Et si nous prenons la saison dernière, Barcelone, c'était 20 goals pour 38 matchs, Barcelone est après plus que ça. Donc, bagaille vraiment compliqué pour l'équipe FC Barcelone. Soupran, on est avec Xavi, ouais, c'est quand même une personnalité qui est impuissante, qui commence à comprendre que la presse, Catalan, Sport, Mundo Deportivo, qui te quand même gagné une position très calme à l'égard de Xavi, en position, n'a continué à supporter. Pendant nous croyons que n'a pas capable de relever ses balles. Mais nous capable de remarquer, depuis quelques jours, deux médias, ça, qui c'est deux médias qui sont dans la région, pas le même comportement encore, l'on compare demi-saison à vie, à titre, et même le bagaille, pas tap marché, parce que Barcelone a une philosophie qui ne peut pas aller même, mais on est capable de rester focalisé le fait que Barcelone champion, championnat. Mais là, nous voyons que, continue à commencer conscience de ça. Maintenant, il y a une réalité qui est très claire dans le cas à vie, comme entraîneur. Il y a des gens qui sont capables de mettre en tête que, et moi, je suis très critique à l'égard de Xavi, ou pas de Xavi tant. Mais non, c'est qui ça ou partager comme philosophie, qui sont dit, c'est sous parole. Xavi était toujours croit que lui-même, les gros football que lui qu'on joue comme joueur, c'est football, ça devrait le jouer comme entraîneur. Pendant ne pas tenir compte que réalité parle comme footballeur, c'est pas réalité ça qu'a fait la journée comme entraîneur. Parce que, ou t'es capable de permettre le luxe pour jouer football ça. Parce que, ou t'es quand même gagné Xavi, ou t'es ou même qui t'es là. Bon, ou t'es là. Iniesta, Busquets, Puyol, Alba, ou t'es gagné Alves, ou t'es gagné Messi, ou t'es gagné Eto'o, ou t'es gagné Henry, ou t'es gagné Villa, ou t'es gagné. C'est mon genre de gagné. Donc, je dis là, une réalité qui est complètement différente. Xavi pas jamais adapté à la réalité. Lui, quand même, c'est un entraîneur qui pensait que la réalité, ça va vivre dans cette même réalité aujourd'hui. Mais non, le football a évolué de le Barcelone a gagné la Ligue des Champions à l'équipe FC Barcelone. Vous avez Xavi comme entraîneur. Barcelone qui gagne la Ligue des Champions 2009-2011. C'est pas même Barcelone 2015 là. D'ailleurs, c'était un Barcelone qui était totalement focalisé sur trois nègres devant eux. On jouait qui pire rapide, essayait de faire en sorte que ballon joue une soirée Neymar Messi. Puis on désarticulait bloc équipe adverse là parce que
c'était en termes de potentiel, talent, valeur intrinsèque, c'était meilleur trio en termes de potentiel. Et bien, ça était très important. Donc Xavi te dit lui-même c'est bel football lui jouer. Et bel football Barcelone jouer, c'est pas un moment, c'est pas une séquence. L'équipe ça va jamais afficher une régularité dans la production. Quand elle pas affiche une régularité dans la production, elle pas afficher une régularité dans gagner tout, dans résultat. Donc là le entraîneur l'a parlé lui-même, lui dit que il senti équipe là à clé. On pas croire que équipe là Xavi vraiment. Parce que c'est quand même un entraîneur qui perdu en dans l'équipe football et méthode liée pas respectée. Parce que nous, ça va se dans la poche comme football. Certainement, Xavi comme entraîneur. C'est pas ça, non, il dit ou fait. Quand il a moins mangé, on a chalance la caille joyeux. Il n'y a pas de Xavi, Jean-Xavi, prétendre que joyeux de elle, de la logique comme entraîneur. Il t'a toujours dit que je joue au DL, même pas où est ça. Moi, je suis nonchalant, là, quand je joue. Moi, quand que discours là, trop simplicité dans le discours entraîneur. Et puis, ou pas où est ça, équipe là, produit comme football. Et bon, l'autre problème, Barcelone, Barcelone, un problème physique, de bagarre, il vient d'intensité dans le corps à corps. Toujours Barcelone à le courir. Il n'est pas capable physiquement, il n'est pas à point physiquement. Donc, saison FC Barcelone, c'est une saison qui est compliquée. Et, de tout cœur, moi, ouais, mal Xavi rete en de Barcelone après saison ça. Parce que, il y a une réalité pour nous regarder. Bon, couplant, bagaille, c'est dans un green match pour arriver dans demi-finale, ou objet match aller, ou objet match retour. Et final, c'est un green match. 8e de finale, un green match, 4e de finale, un green match, demi-finale, 2 matchs. Mais, faut regarder Barcelone par rapport à l'autre équipe dans la Ligue des Champions. On va même en Espagne dans coupe là. Par rapport à l'autre équipe dans la Ligue des Champions. Barcelone va jouer contre Naples, c'est deux équipes qui malade. Mais qu'il là et après Naples. Pas oublier ou quand même gagner sur tout après Naples. Si équipe ça respecte rien yo. Real, Bayern, Arsenal, City. C'est des potentiels adversaires Barcelone si on qualifie eux même. Pour quart de finale, est-ce que Barcelone gagne moyen pour battre Mounzaïo? Dans le championnat, certainement Real Madrid n'a pas fait tout reste championnat la battre. Pour le champion, Béjéo n'a pas fait tout reste championnat la battre. Mais, moi, pas ouais équipe ça annoncé des clics dans ça, fait moi-même personnellement Barcelone, pas qu'à champion Liga, sous ça m'a regardé là. Parce que, faut que un bagage qui est annoncé. C'est équipe là c'est jouer le pas qu'à jouer, équipe là c'est faible faible, équipe là c'est non le bagage, équipe là bagage non, parce que match Osasuna yo bat Osasuna il était annoncé au déclic, mais c'était une équipe Barcelone était extrêmement fragile, yo y a qui veut jouer contre équipe Osasuna dans championnat, y a qui veut jouer contre Betis, y a qui veut la caille Betis Séville dans jour qu'a venir là dans championnat. Quand on a sous-gardé match Real dans lui-même, Jean-Real Madrid bat Barcelone. Et sous prend deuxième tour championnat, Barcelone prend la caille Bilbao, prend la caille Betis Séville, prend la caille Real Madrid, prend la caille Girona, prend la caille Atlético Madrid. Soit pour top 8 champion, top 8 meilleure équipe dans le championnat, équipe ça, moi dit là, moi dit Bilbao, moi dit Atlético Madrid, moi dit Girona, moi dit Betis Séville, moi dit Real Madrid. Ça veut dire Barcelone a fait 5 déplacements dans le deuxième tour contre l'équipe ça. Et jodi là, sous forme du moment, c'est vrai, déclassement, mais forme du moment, équipe ça devant Barcelone, tu prends au passé récent là, c'est de ça qu'on parle. Équipe ça pas montré que le capable boumer. Parler de Ligue des Champions, qu'on y est là. Compétition qui plus à la porte de l'équipe FC Barcelone, c'est coupe là. C'est coupe là. Donc Xavi conscient que bagaille pas marché, il dit que si bagaille, la baille vague, et il paraît que Xavi avec Barcelone, c'est dans le dernier moment où il est là parce que on pas senti que l'entraîneur a un grinta suffisant pour faire l'équipe ça lui-même traverser les frontières.